Bonjour Chaynaise, la présentation s'il te plaît. Alors bah moi c'est Chaynaise et mon TikTok c'est @chacha0307. Allez tous vous abonner. Alors Clémentine, présente-toi. Et je m'appelle Clémentine et venez-vous à mon TikTok, c'est @7. Bonjour Adam, faites votre présentation. Je suis Adam alias le cascadeur. Ok. Action! Alors ça, c'est un dinosaure. C'est un nandou des Andes. Nandou, je sais pas quoi. C'est un pterodactyle. Et il est venu tout près de nous. Jean-Michel, parce que c'est mon baptisé jumeau. Jean-Michel. Par Clémentine qui est juste ici. Ouais. Alors Jean-Michel, vous pensez quoi de votre vie dans un zoo? Jean-Michel de la 4e, ça va. Et puis aussi, il vit 15, il vit 20 ans. 20 ans? Tu penses qu'il va rester 20 ans enfermé ici? Oui. Ouais. C'est un peu triste, non? Ouais. Laisse, ouais. Mais ça va, il a encore tout ça. Puis ouais. Il a ses copains là-bas. Et là, c'est Jean-Jacques là-bas qui est là-bas. Oui, et là-bas, c'est Jean-Jacques. Alias. C'est son poteau Jean-Jacques. Pas monsieur. Non, le nandou, il s'appelle. Jean-Jacques. Et puis Clément, il pèse combien déjà? T'as dit 15 et. 25. Entre 15 et 25 kilos, il fait. Et ça mange quoi? Oh bah de l'herbe. Ça mange des humains. Ouais, il y a de l'herbe, regarde. Ouais, sûrement. Il mange de l'herbe et puis toutes les et des humains. Et ça mange des humains, des arbres, des immeubles. Mais non, ça mange pas des humains. Bon, on va balancer Adam derrière la barrière puis on va bien voir, hein. Oui. On fait l'expérience ou pas? Oui. Bon, bah attends. Oups, il y a des gens. Attention, il y a des gens. Laisse passer. Action. Alors voici, on a des bigrines ici. Qui ressemble beaucoup à des lamas. Redis-nous comment ça s'appelle? Des vigognes. Et ça se trouve où? Vicona. Mais non, encore dire des Andes en Amérique du Sud. Mais c'est et marqué Vicona. Ils sont... Ah, c'est vraiment un Vicona en plus. Ah, j'ai cru que t'avais inventé. Non, c'est pour ça que ça s'appelle Vicona parce que son nom latin c'est Vicuna. Ah, dis donc, vous êtes super cultivé. Bah, c'est les panneaux qui nous ont cultivés. Bon, on a mangé un dictionnaire, alors c'est bon. Ouais. L'expérience de vie, c'est de 25. Ouais. Oui, 25. Et son poids, c'est 35 à 45 kilos. Oui. Et il est herbivore. D'accord. Ok. Et c'est tout ce qu'on a ici. Hein. Oui, mais maintenant, on va voir les singes. Ah, bah, mis là, non. Oh, c'est gros. Wow, regarde. Moi j'ai envie de mettre une mec. Oh, et là c'est les pattes du lion. Voilà. Ensuite attends, nous avons. C'est le bon. Oh regardez ça tourne. Voilà, il y a là ses dents et tout. Mais mec. Wow. Là c'est sa patte. Et là c'est ses pattes du coup, voilà. Et puis là-bas c'est. Donc là on va pas très bien. C'est un loup. C'est le loup, tu peux montrer c'est l'image. C'est mon animal préféré mec, oh, il est trop beau. Et regarde ici ses pattes. Alors ici c'est ses pattes et puis là. Mec, c'est mon ami. Oh, il est trop beau. T'as vu la forme du crâne? Regarde derrière. Ça pique. C'est spécial la forme du crâne derrière. Elle est bizarre, elle vient comme ça. Regarde, quand tu fais comme ça, ça pique. Attends un commentaire. C'est mon animal préféré. Chaynaise. Bon bah moi mon animal préféré c'est les lions. Et toi Agnès? Alors moi j'ai bien aimé les petits singes là-bas et les oiseaux ils sont super beaux. Tu fais déchiqueter la main par contre là. C'est quoi ça? Les bactéries. L'univers vivant du fromage. C'est sur le comté. Attends. Tu fais quoi Clémentine? Bah je sais pas. Un jeu? Oui. Quelle espèce de la prairie prend ou pas? Sanglier. Ok, il y a des singes. Il y a des singes. Et toi, tu fais quoi, Chaynaise? Alors, c'est pour. Par exemple, si tu cliques là, c'est ça. Le renard, il mange ça et ça. La buse, elle mange ça et ça. Le campagnol, il mange ça et ça. Le criquet, bah, il mange que ça. Et le sanglier, c'est. Le sanglier, il mange pratiquement tout le monde à part les trois là. Comme les cochons, ça mange tous les cochons. Oh, regarde, les champignons. Il y a tout le monde qui mange les champignons. C'est trop bon les champignons. Et les bactéries. Ah ouais. Ah ouais, parce que des bactéries, on a dans tous les trucs. Et ça, c'est quoi? C'est la bouse. Oh, la bouse. Ils expliquent que c'est pour vous. À quoi ça sert? Bouse fraîche de 0 à 2 jours. Bien. Agnès, c'est quelque chose qui tourne.
Ouais, c'est sur le comté, le fromage, les bactéries. Ah oui, c'est un truc de comté. Mais il suffit pas de tourner, faut lire aussi hein, voilà. Ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Agnès. Oui. On va faire une pizza avec tout ça. Et d'abord à manger, ok. Une pizza avec quoi? Ça. Ça aussi, les poissons. Avec ce qu'il y a là. Ah non, 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 mais moi je mange pas ça. Hein. Mais les poissons, avec du maïs, je veux bien. Et là, il y a la pizza avec ça aussi. C'est une pizza au singe. Ah non, mais tu sais, moi je mange pas de viande. On va mettre ça là-dedans. Ça va être compliqué. Ah non, on va faire une pizza avec ça alors. C'est bon, j'ai dit. Ah, mais je mange pas non plus les fruits de mer. Ouais, on va mettre ça. Et tu vas manger tout ça, toi? Bah ouais, ça va être.